Bonjour à tous les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale sur la chaîne de Adventures. Juste pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et quoi de mieux que pour vous souhaiter un joyeux Noël dans un lieu abandonné. Et pas n'importe quel lieu. Nous sommes actuellement dans le tunnel maritime le plus long du monde et abandonné. Donc regardez, je vais vous montrer. km 200. La sortie est juste là-bas. Voilà, donc là, je me suis mis au milieu et on va avancer un petit peu là. En fait, ouais, c'était juste pour vous souhaiter de bonnes fêtes et pour vous teaser un peu ce que je vais faire très bientôt, très prochainement. Là, je ne vais pas m'aventurer très très loin. C'est juste pour vous faire un petit coucou, vous dire que tout va bien, les montages sont en cours. J'ai une enquête à préparer et la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc du coup, je vais monter tout ça. Il y a une exploration que j'ai tournée aussi récemment. Je vais monter aussi ça. Je vais profiter de mes vacances pour faire des petits montages. Et là, je me suis dit, en rentrant du boulot, je dis, oh, et si je faisais une petite vidéo spéciale Joyeux Noël dans un lieu abandonné? Donc, juste pour vous souhaiter un truc Noël tout court. Et pour vous dire que prochainement, je vais explorer, je vais essayer de faire dans son intégralité. À savoir que ce tunnel a été construit dans les années 1916, enfin, commencé en 1916-17. Je vous ferai à peu près l'histoire un peu mieux. Et il a été terminé après-guerre. Il a fonctionné jusqu'en 1960, à peu près. C'est en 62, je crois qu'il y a eu un effondrement au milieu. Donc du coup, sur la partie du mur, il est effondré sur 200 mètres. Donc en fait, il sert plus juste de voie d'eau de passage. Regardez. Là, il y a une partie qui est effondrée. Donc du coup, je pense qu'il va falloir qu'on passe en bateau pour pouvoir rejoindre la deuxième petite berge. Après, un peu plus loin, je ne sais pas à combien de distance à peu près, on va pouvoir aller passer dans un tunnel où ils ont comblé, ils ont fait une sorte de sarcophage de béton pour éviter que tout s'effondre dessus. Donc voilà un peu le teasing. Donc soit je vais retourner seul, soit j'irai peut-être avec Indiana Fraise et Arcanum. Donc on ferait peut-être une exploit 4, ça à voir. Donc je vais voir comment ça va se passer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aille seul ou qu'on fasse ça à plusieurs youtubeurs. Ça pourrait être vraiment sympa de faire une belle expo. On prend le pique-nique et on traverse le tunnel entièrement en fait. 7 km 200 de marche. Moi je pense que ça peut être excellent de traverser complètement le tunnel. Ça peut être sympa, 7 km 200 de marche souterraine. Moi je suis pour, donc dites-le moi dans les commentaires. Après, bien sûr, vous êtes abonné et avoir lâché un gros pouce bleu et la petite cloche de notification. Moi, je vais vous dire et vous souhaiter encore de passer de bonnes fêtes. On va s'arrêter là. Comme je vous ai dit dans les commentaires, dites-le si vous voulez que je le fasse seul ou accompagné de plusieurs autres amis youtubeurs. Je pense que ça pourrait être pas mal à plusieurs avec des petits canoës et à moyen de faire une superbe vidéo. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Passez encore une fois de bonnes fêtes. À bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas, l'aventure, c'est la vie. Sympa. Bonne fête à tous, les amis!